Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Nakix, le petit pote. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur UFC 4. C'est un jeu de lutte, de boxe, je sais pas du tout, mais on va essayer tout ça. J'avais déjà fait une partie, oh, j'ai galéré, mais on va essayer de comprendre ensemble tout ça. Parce que là, je trouvais pas d'idée de vidéo, et je me suis dit, voilà, EA Sports in the game. Du coup, je me suis dit, bah tiens, on va pas faire une vidéo sur le jeu du mois de février du PS Plus. Du coup, c'est UFX, moi je dis UFX, UFC 4. Hop, c'est un jeu de boxe, de catch, enfin, je n'arrive pas à savoir c'est quoi comme jeu. Yes, pour contrat d'utilisateur, continuer. Du coup, voilà. J'y connais rien du tout, rien du tout. Une nouvelle mise à jour des combattants est disponible, téléchargez-la dès à présent, ok. Il y a une petite mise à jour. J'avais testé, mais moi c'était pas la version complète là, parce que la version complète n'était pas totalement installée, du coup voilà. Oh, ça tu vois, ça par exemple, moi j'avais pas vu. C'est quoi ça? Wesh. Vas-y, on passe, hein. Ça va être long, je pense. Oh, stylé. Y'a quelqu'un? T'es dans la lune? Encore en train de rêver, hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Combien de temps t'as passé à regarder ce mur déjà? Je t'avais dit que tu finirais par y arriver. On y est maintenant. Tes débuts en UFC, c'est plus seulement un rêve, ok? L'équipe de promo UFC est là, on va faire une interview dans quelques minutes. Mais d'abord, il faut que tu me remplisses ce questionnaire. Taille, poids, surnom. Bruce Buffer a besoin de toutes ces infos, d'accord? Ouais. Je suis en train de créer mon personnage là, peut-être. Respect des droits, vous allez fournir du contenu qui ne soit pas obscène et ne. Ok, accepté. Création rapide, créer combattant. Ah, je vais créer mon combattant. Type de combattant. Boxe, équilibré, lutte, jutsu, boxe. On se fait gaffe parce que. Moi je fais faire boxe. Putain. Zut, hein. Jab, ok. Ok. Non. Boxe. Voilà. Info générale. Genre homme. Poids. Je suis moins gros que ça. Hein. Et. C'est des infos personnelles, les gars, que je suis en train de vous donner. Nickel, non. Je peux pas plus. Et poids mouche. 1m70. Nathan. Bien sûr, je peux mettre mon vrai nom de famille, les gars. De toute façon, on peut pas, je crois. Créer un nom personnalisé. Ouais, mais je veux pas le mettre, de toute façon, mon nom de famille. Arlovski. C'est stylé, ça fait un petit peu polonais. Surnom. Assassin, directement. Vas-y, assassin. Pseudo réseaux sociaux. Nathan. Non, Nat. On va être Nakix. Vas-y, on est Nakix. On est Nakix. Na. Kicks. Tirer du haut. Érecté. Ah. Nakix. Érecté. Nickel. Ville d'origine. Moi, je viens de France. Faut aller peut-être un peu avant. Ah, on va choisir. Ah, s'il faut choisir la vie.
prendre Paris en vrai. Hein. S'en fiche un peu de choisir la ville. Ah non, on peut prendre F pour France. F. Ah c'est ouais, en fait c'est comme ça. Du coup. Je sais pas s'il y a France. Ok. Il y avait Finlande. England. Je suis plus dans les trucs là. On va aller dans les P. Je crois que c'est. Ah si, Paris, France. Juste à faire ça. Âge. Ah, je vais 18 ans. Position. C'est quoi orthodoxe, what the fuck? Posture. Ouais, ouais, je vais laisser comme ça. Hein. Musique d'entrée. Ouais, ça, on s'en fiche. Voilà. Oh, 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 oh. Là, il est fin prêt. Bon bah voilà les petits potes, j'ai créé le petit personnage. Il est carré de fou, regardez-moi ça derrière, c'est stylé. Ouais, il est stylé de ouf. Vas-y. Hein. Alors on a tout fait, je crois. On est parti. Ah non, on a pas tout fait encore. Du coup, les gars, je m'occupe des vêtements et on est parti. Les potes, j'ai créé mon personnage. Du coup, on sauvegarde. Nickel ça. C'est nickel. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes prêt pour l'interview? On va voir, mec. Parfait. Par contre, avant qu'on commence, et ça, c'est juste entre nous. Oh. J'ai entendu une belle anecdote sur la façon dont vous avez commencé à travailler ensemble. Hé, hey, il faut que je raconte ton premier combat. C'était quelque chose, il paraît. Il déteste que je raconte cette histoire, mais oh, pourtant, j'oublierai jamais la première fois où j'ai vu ce gamin. Il se faisait littéralement démonter, on aurait dit un seul. Ah ouais. Ouais, maintenant, il va plus se faire démonter, mais qui est viril. Carte amateur qu'on trouve en ville, de temps en temps. De bons combats, on sait jamais sur quoi on va tomber. Ouais, du coup, il a attiré mon attention. Son œil était seulement amoché, tu méfies. Le combat était trop déséquilibré. C'était évident que son adversaire avait vraiment plus d'expérience. Ça a été un vrai massacre pendant deux rounds. Chaque round devait faire genre 18. Le combat aurait dû être stoppé, c'est clair. Mais la cloche annonce le début du troisième round et je le vois se lever et y aller et continuer à se battre. Comme s'il pensait qu'il avait peut-être une petite chance. Même pas en rêve. Attends, là, je vais me battre. Oh merde, je sais pas me battre. Let's go. Oh. 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 KO directement. Ah, j'aurais gagné. On voit quelqu'un d'incroyable sortir de nulle part et mettre tout le monde KO. Non. J'ai découvert quelqu'un d'audacieux. J'avais jamais vu ça. Alors, j'ai foncé. Ouais, ouais. Mais mec, je te dis, je sais pas me battre sur le jeu, c'est incroyable. Et j'ai vu ton dernier combat amateur, belle performance. Je voudrais t'inviter à venir t'entraîner à ma salle, qu'est-ce que tu penses? Merci coach, j'adorerais m'entraîner, je viens dès que possible. Merci de vous recevoir. J'accepte. Hey, c'est coach Davis, coach et propriétaire de Davis MMA. J'ai pas mal d'expérience sur le monde clandestin, les amateurs. J'ai même gagné un titre pour la WFA. Et j'ai combattu sur la grande scène. C'était seulement le début. Puis ça a été la fin. Une sale blessure et c'en était terminé de ma carrière. Pire qu'un coup de pied à la tête.
Comme j'ai toujours adoré la stratégie, j'ai choisi d'aller de l'avant et de coacher. Et hop, Davis et MMA étaient nés. Ah ouais. Il est chaud. On fait du vrai combat. On gagne des titres. Tu pourrais remporter un titre. Qu'est-ce que t'en penses? Viens, je t'en ai. Ah ouais, non mec, en fait c'est compliqué hein, à jouer. Bien, bien. Encore 5 secondes. Allez, vas-y. Plus fort. 3. Sinon le jeu est bien 2, de ouf. 1. OK, super. Impeccable. Hey, regarde qui est là. Salut. Bienvenue dans ma salle, ma fabrique à vedettes. Vu ton dernier combat, je peux te dire que t'as du courage à revendre. Je suis pas surpris de te revoir aussi. Et t'as l'air d'avoir de bonnes capacités physiques. Merci. Bon, on va travailler ta technique, d'accord? Ok. Les gens croient que c'est facile de combattre, comme jouer aux dames. Mais pour nous, c'est pas si simple. Ouais, non, c'est pas facile de combattre. Il faut connaître toutes les pièces et savoir s'en servir, ok? On devient pas pro par hasard. Il faut travailler dur et garder l'esprit ouvert. J'ai vu ton combat, donc je sais que t'as le niveau. Va te préparer. Le retrouvons ici. Ok. Ok. Merci. Let's go. Ok, allez, on s'y remet. Mon personnage est incroyable. Hey, je sais que ça paraît simple. Tu sais, ça va, je sais pas faire. Bien commencer par revoir les dans le jeu. D'accord. Parce que dans ce sport, si tu sais pas te servir de tes mains, enchaîner les combinaisons et gérer ton endurance, tu vas seulement frapper dans le vent et tu vas te souffrir. C'est sûr. Alors, écoute-moi bien. Je vais te donner les instructions et toi tu suis. Ok? Ça marche. On y va. Sorry. Allez, on va travailler le sac lourd. Écoute bien ce que je te dis, ok? Touche avec un crochet. Allez, oui, vas-y, bouge. Des supercuts, c'est maintenant. C'est ça, super. Tu vas pouvoir passer au prochain objectif. Oui, oui. Reproduis-moi cette frappe. Ok. Ouais, bon travail. On peut attaquer la suite. Mec, je fais le truc exactement. C'est tout ce que je demande. Tu vas t'en sortir. Je suis avec toi. Voilà. Ah, ok.
facile ça. Ok, viens par ici. C'est du bon boulot. Alors, on va voir ce que tu vois en technique. C'est chaud à tout retenir. Hein. Bon, le but ici, c'est de toucher sans te faire toucher, ok? Le noble A. Facile à dire, difficile à faire. Donc, pense à ta garde et à ton jeu de jambes. C'est parti. Ok. Alors l'entraînement permet de travailler les différentes phases de combat et c'est ce qu'on va faire. Oh. Arrête. Arrête de taper. Arrête. Vas-y. Et frappe-moi. Pas terrible. Vas-y, tiens. Vas-y, mais frappe-moi. Je te promets, frappe-moi. Ouais, vas-y, change rien. Lâche tes coups. Ok, vas-y, je joue comme je veux. Hey, c'est bien ça. Excellent. Reste dans le rythme. Allez, excellent. On continue. Avec ses chauds les esquives. Cette frappe est canon. J'en veux encore. Change rien et refais pareil. Voilà. Ok. Mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec des touches qui... Ah ouais. Roule beaucoup. Arrête de me taper, il faut que je m'enlève. Mais putain, laisse-moi. Oh, je suis mort.
secours, oh là là, je suis coincé en dessous. Ouais, c'est bon. Mais laisse-moi m'enlever, bordel. Mais laisse-moi m'enlever, s'il te plaît. Mec, je te promets. Attends, laisse-moi m'enlever. Laisse-moi m'enlever, bordel de merde. Mais mec, en fait, là, je peux rien faire. Laisse-moi m'enlever, mec, je te promets. T'as intérêt à me laisser m'enlever là, parce que là, je vois que ça commence vraiment à me saouler. Il bloque, mais tu veux que je fasse quoi? Le mec, il me tabasse la gueule. Depuis tout à l'heure. Mais mec, il va me saouler combien de temps lui? Bouge-toi là, mais mec. Eh mec, ça me saoule. J'arrive pas à m'enlever. Vas-y, je laisse me tabasser là, parce que. Des flèches indiquent la direction à laquelle on va monter. Mais mec. Allez. Tiens. Oh le chien, mec, je vais pas réussir à frapper une fois. Hein. Voilà. Ça, c'est du chien de blocage. Cherche un peu la clé, tu vas y arriver. J'arrive pas à le frapper, mec. Ta technique est solide. Ok, nickel. J'ai seulement besoin d'un peu de coaching. Ok, super, écoute-moi. Hey, j'ai reçu un message pour une nouvelle carte amateur prochainement. Ok, c'est juste une poignée. Ok, ouais, allez. Vas-y, c'était trop chaud, mec. C'était clairement trop chaud. Vas-y, bah les petits potes, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine sur peut-être UFC 4, je sais pas, vous me dites dans les commentaires si ça vous a plu, si vous voulez qu'on fasse de plus de vidéos dessus. En attendant, on se retrouve à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter, partager. Allez, tchuss les potes. We'll be right back.